t'ai-je rencontré? Peut-être pas. Tu es en quête d'une relique. Laisse-moi te révéler la vérité. D'une de mes reliques. Mais je viens à toi pour parler de l'avenir. Suis Lydia Fry. Elle te mènera jusqu'à moi. On doit arriver la deuxième vague. D'ici une heure, au plus tard. Quoi? Ce n'est rien. Le générateur qui fait des siennes. Je vais aller voir. Là. Quel manque de politesse! Même en ces heures difficiles, nous ne devrions pas oublier les règles de la courtoisie. Baissez vos armes. Il semble que nous soyons sur la même piste, Miss Fry. J'étais là avant vous. Certes, et je vous en félicite, mais je crains que nous n'ayons pas totalement éliminé l'ennemi qui sévit dans les parages. Il y a une autre radio. Accompagnez-moi, si vous le voulez bien. Nous devons trouver ce deuxième émetteur, ou de nouvelles vagues de zeppelins risquent d'envahir nos cieux. Vous manquez de soldats, à ce que je vois. Si vous pouviez faire usage de vos inépuisables talents au Tower Bridge, notre nation courageuse mais accablée, vous en saurez gré. Je me contenterai du droit de vote.
assassin. Long. Détachez-moi tout de suite! C'est mon bateau! On a de la visite, les gars. Vous savez ce qu'il faut faire. Laissez-nous! Je vois. La radio est cachée dans le pont, à la tour nord. Je devrais aller leur dire bonjour. Tu sais pour qui on travaille.
notre influence ne cesse de croître. Tout ce que je vois, c'est la fumée qui monte des rues. Que restera-t-il à diriger? Un royaume de sang? Dois avoir foi. Thank you.
Ce spectacle me réconforte, Miss Fry. L'un de mes projets expérimentaux, quand j'étais Lord de l'Amirauté, je n'ai pas toujours été un homme de l'ombre. Nous avons peut-être porté un coup à l'ennemi, mais Londres fourmille toujours d'agents allemands. Il en existe un nouveau groupe, différent de tout ce que j'ai connu. Ils sont d'une ferveur fanatique, presque religieuse. En effet, sans véritable preuve, je ne peux en parler à Mr. Asquith, mais je pense qu'il constitue une menace. Si vous vous en chargez, je vous donne ma parole qu'une fois de retour sur les bancs du Parlement, je ferai tout mon possible pour exaucer votre souhait. Un vote fait bien souvent plus de dégâts qu'une balle ou qu'une lame. Sur Terre, tout comme toi. Je suis née dans la caste des Illuminates, dans la cité de Feyan, en l'an 2195 de l'ère Isu. Aujourd'hui, j'arpente les vastes couloirs de vos machines, errant dans le gris. Mais je reprends des forces. Le monde sera bientôt prêt à m'accueillir. C'est pourquoi je t'ai fait venir dans cette simulation de guerre. Pour te livrer une histoire, notre histoire.